Bonjour à tous les aliens, mon nom est Speak Easy. J'espère que vous allez bien parce que moi, part comme d'habitude, les gars, ça va super bien. Vous savez bien, les gars, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de news super super intéressante sur Fortnite. Évidemment, les gars, aujourd'hui, on va parler du futur partenariat entre ça et Fortnite qui va fort bientôt arriver. Franchement, je pensais qu'il allait arriver dans beaucoup de temps, mais non, il va fort bientôt arriver. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super cool. On va aussi parler de la prochaine zone Rift qui sera Fatal Field avec le cube et l'île, etc. Du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations très lourde et très intéressante au programme tout simplement, ainsi que d'autres petits leaks. Alors les gars, avant que la vidéo ne commence, je vous invite tout simplement à commenter parce que vous savez très bien que je fais des dédicaces en commentaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est commenter et moi, je prends un petit screenshot et je vous affiche en dédicace dans la vidéo suivante. Du coup, voici les dédicaces de la vidéo précédente. Merci beaucoup à tous les petits aliens qui ont pris le temps de commenter. Voilà, ils ont bien mérité leur dédicace comme d'habitude et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que vous savez très bien que toutes les informations de news, etc. sur Fortnite se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup, voilà, si vous voulez toujours rester 100% informé, tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner et vous resterez toujours 100% informé des nouvelles informations, des nouveaux leaks, etc. et des astuces sur Fortnite. Les gars, je vais pas plus parler, je vais directement commencer avec les informations super intéressantes. On y va directement. Alors avant de commencer avec les informations super lourdes, comme d'habitude, je fais une petite parenthèse pour vous présenter aujourd'hui le skin du jour qui s'appelle Frappe Aérienne. Du coup voilà, c'était un skin que j'avais déjà leaké dans plusieurs vidéos, etc. Et vous pouvez voir que franchement il est vraiment super beau. Le planeur est vraiment très joli et la pioche aussi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi franchement je le trouve vraiment très stylé. Voilà, il a vraiment un style très original et n'hésitez pas à vous le procurer si vous en avez envie tout simplement. Alors maintenant parlons du sujet le plus important de la vidéo. Il s'agit tout simplement de la collaboration entre le film Ça et Fortnite. Vous savez très bien que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et ici, eh bien, on a des dates. Et voilà, je vais vous révéler les dates de la collaboration. La collaboration commencera le 6 septembre. Du coup, voilà, c'est vraiment fort bientôt. Ici, aujourd'hui, on est le 1er. Du coup, c'est dans 6 jours. C'est vraiment très bientôt. Et ici, en fait, vous savez très bien qu'on avait déjà trouvé des audios des petites zones Ça, etc. dans le jeu. Il y en a encore plus, mais bon, je vais tout vous les passer parce que je trouve que c'est pas très intéressant, mais on a trouvé des audios et on a aussi trouvé ceci qui est un ballon. Voilà, je pense que c'est le ballon que le clown tient dans le film Ça, et voilà, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu, donc c'est sûr qu'il y aura des petites zones. En tout cas, je sais pas si ce sera une zone Rift, mais en tout cas une zone dédiée au film Ça. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment être très bien, vraiment pas mal. Et voilà, je sais pas trop ce que ce sera. Est-ce que ce sera juste une zone ou alors encore mieux, est-ce que par exemple quand vous irez voir le film Ça, eh bien on vous donnera un code qui vous permettra d'avoir le skin Ça, un truc comme ça. Enfin, ce sera vraiment quelque chose de pas mal stylé qu'on n'a pas encore vu. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous quelle forme est-ce que l'événement va avoir lieu? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'ai plein d'idées, mais voilà, c'est pas très concret. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors maintenant, passons à une information qui pourrait vraiment être très intéressante. Il s'agit tout simplement de la possible arrivée des accessoires, tout simplement. Du coup, vous savez très bien que dans Fortnite, il y a des skins, etc., qu'on peut personnaliser et tout ça. Mais en fait, bientôt, peut-être qu'on pourra personnaliser les accessoires des skins. Du coup, par exemple, mettre des lunettes, mettre des bracelets, changer la couleur de cheveux, etc. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en fait, ici, on a une preuve. Tout simplement, dans les fichiers du jeu, on a trouvé qu'il serait bientôt possible de voilà personnaliser les petits accessoires. Du coup, est-ce que ça va arriver bientôt, est-ce que ça va arriver dans beaucoup de temps, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est fort possible à 99% que ça arrive, tout simplement vu que c'est dans les fichiers du jeu. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être bien de personnaliser un petit peu les skins comme ça, ou est-ce que ce serait un gros bordel où on aurait des skins qui n'ont rien à voir avec les accessoires, etc. Franchement, c'est ça qui me fait un petit peu peur, mais voilà, je pense que si c'est bien géré, ça pourrait vraiment être quelque chose de pas mal. Voilà, quelque chose qui pourrait encore amener plus d'originalité dans le jeu. Mais dites-moi ce que vous en penser. Donc maintenant, je tenais à revenir simplement sur une information que j'avais déjà dite dans une vidéo précédente, mais on a trouvé dans les fichiers du jeu l'île du cube de Fortnite. Vous savez bien que le cube de Fortnite va revenir sous forme d'une petite île qui va apparaître à Fatal Field, tout simplement. Du coup, voilà, je pense qu'il y a déjà des gens qui, enfin, il y a encore des gens qui n'ont pas encore vu tout simplement cette vidéo. Du coup, je vous la mets maintenant. Voilà, c'est une vidéo qui montre bien l'île, etc., à quoi est-ce qu'elle va ressembler. Du coup, je vous la mets et je vous retrouve après pour tous ceux qui n'ont pas vu. Oh,
Alors maintenant, en parlant de Lille et de la zone Rift, on va parler aussi du dispositif Rift. Du coup, si vous n'étiez pas encore au courant, eh bien tout simplement, le dispositif Rift est apparu à Fatal Field il y a 2 jours maintenant. Du coup, voilà, il va vraiment pas tarder à s'activer. Donc c'est l'histoire de 2 ou 3 jours, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va s'activer, mais voilà, il va très très bientôt s'activer. Et enfin, faire revenir la zone avec le cube simplement. Du coup voilà, c'est vraiment quelque chose pour laquelle je suis vraiment super hype. J'aimerais vraiment de voir ce cube et ce Fatal Field qui est un petit peu modifié comme ça. Et au cas où, je vous remets ici le petit fond d'écran du cube simplement. Du coup voilà, vous pouvez voir qu'il est vraiment magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah voilà, ça, à mon avis ça fait déjà la 5e vidéo que je le montre, mais voilà, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez voir qu'il est vraiment magnifique et c'est à ça que ressemblera Fatal Field dans quelques jours tout simplement, quand la zone Rift sera créée. Du coup, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez que les capacités de la zone Rift seront. Du coup, en fait, tout simplement, dans Loot Lake, vous pouvez voir qu'il y a de l'ultra-gravité. Dans Tilted Town, on ne peut pas casser, etc. Du coup, voilà, vous voyez bien que chaque zone Rift a des capacités spéciales. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, quelle capacité de cette zone Rift sera. Tout simplement, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Tout simplement, moi, j'en ai aucune idée parce qu'à chaque fois, Fortnite nous surprend, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que ces petites informations, ces petits leaks, etc. vous ont plu, parce que moi franchement j'ai vraiment la hype pour la suite de la saison 10 et surtout pour l'arrivée du cube qui va arriver dans très bientôt, et évidemment pour l'événement ça tout simplement qui va arriver dans 6 jours. Du coup voilà, c'est vraiment pas beaucoup, il faut juste attendre 6 jours et on va voir un petit peu sous quelle forme est-ce que ça va se dérouler. Franchement je trouve que ça pourrait vraiment être quelque chose de très intéressant et Fortnite font vraiment un taf de ouf à ce niveau là. Du coup les gars, n'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à commenter pour gagner votre dédicace. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez toujours rester informé 24h sur 24 de l'actualité de Fortnite. Tout simplement parce que vous savez bien que je fais une vidéo par jour avec toute l'actualité. Du coup les gars, c'était Speakeasy. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de news, d'informations, de leaks et d'astuces sur Fortnite. À la prochaine les aliens.